بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد، بونجور. L'appartenance à l'islam, c'est-à-dire la soumission totale à Dieu, nous fait éviter beaucoup de problèmes. Des problèmes qui émanent des discours racistes, qui vraiment qui sont un cataclysme pour notre vie actuelle. Il nous permet d'éviter l'excès de l'affirmation ethnique. Le Coran nous donne l'occasion de se rendre compte qu'on est avant tout des créatures de Dieu, donc on ne doit pas être contre les autres créatures, que ce soit dans le monde des Sakhalé ou dans d'autres mondes. On n'a pas le droit d'être des ennemis comme ça, gratuits. Jamais de la vie, l'islam, ce n'est pas pour activer et pour, comment dirais-je, attiser les feux de l'animosité. Il est fait pour accentuer les tendances, les attitudes amoureuses. C'est ça l'islam. Donc, s'il vous plaît, évitez d'ignorer l'islam. Il n'est pas fait pour être refusé, pour être dénié, pour être, comment dirais-je, combattu, pour être traité comme un ennemi juré. C'est pas vrai, l'islam, c'est votre occasion pour vous sauver des problèmes d'ici-bas et des problèmes de l'au-delà qui sont pires. Donc, il faut adoucir votre vie par une autre philosophie, la philosophie de savoir s'approcher de la vérité du Coran. Comme ça vous facilite la compréhension de ce que c'est l'islam et de bien respecter les vrais musulmans parce que nous sommes une minorité qui veut du bien pour tout le monde. Wassalamu ala man ittaba al-huda.